Salut à tous, bienvenue dans le Flamenco Guitar Vlog. Donc aujourd'hui on va voir comment jouer un compás d'Alegría en Do. C'est parti! Comme d'habitude, je vous invite à vous rendre sur le site japonleflamenco.com afin de télécharger gratuitement la tablature du jour. Donc là en l'occurrence, un compás d'Alegría en Do majeur. Petit instant promo, pensez à vous abonner, activer la cloche, mettre des pouces, mettre des commentaires, voilà, ça fait toujours super plaisir, vraiment, sincèrement, ça fait super plaisir. Ensuite, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous avez le lien Tipeee en description, voilà, même peu d'euros, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je remercie mes derniers tipeurs, j'ai Sam et Gilles, je crois, qui, voilà, quelques jours, m'ont donné un tip. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Ensuite, si vous souhaitez parfaire vos connaissances sur la guitare flamenca, vous pouvez vous inscrire sur le site japonleflamenco.com pour travailler toutes les techniques, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de rumba, de compas de rumba, etc. Machin. On est bon, instant promo terminé. Donc là, on est sur un compas d'Alegría. Donc l'Alegría, vous vous rappelez, ça nous fait 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8... 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11, 12, etc. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va utiliser des accords extrêmement simples que vous connaissez. Do majeur et Sol 7. 1, 0, 0, 0, 2. On pourra même rajouter ici le petit doigt en Fa. Ça dépendra un petit peu du feeling. Première mesure. 1 et 2 et 3. Index, 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 index. Et les deux doigts ici. Voire même une grosse patate parce que c'est le troisième temps. Et le troisième temps, c'est vachement important. Ok. Donc, 1, 2, 3. Et là, on va faire golpé, index, et enfin, descente, remontée. 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et ré maté sur un do. En ré maté en croche. 10 et 11 et 12 et, ou comme on a vu précédemment, par exemple en triolet, triolet, ok. Et voilà, l'idée c'est de faire tourner ça. Je vais vous faire une petite vidéo aussi orale, juste explicative, voilà, d'un sujet dont avec, je me suis entretenu avec un abonné. Il y a quelques jours, on a eu un très très bon échange, c'était très sympa. Et effectivement, je vous le précise peut-être pas assez, mais voyez tout ce qu'on voit dans le vlog et même sur le site, ce sont des morceaux à tiroir, hein, ce que j'appelle. C'est-à-dire que par exemple, là, ce qu'on voit en Alegría, bon, Alegría, on n'en a pas vu encore beaucoup, mais par exemple, on a vu beaucoup beaucoup de falsetta en Solea. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, donc vous avez accès à tous les documents sur le site gratuitement, etc. Vous les imprimez. Vous découpez juste la partie tablature, si voilà, vous voulez que les tablatures. Moi, c'est ce que je faisais au début hein, de mon apprentissage autodidacte. Et ensuite, vous mettez, par exemple, vous construisez un plan vous-même, en fait. Moi, l'idée, c'est que je vous donne des petits morceaux comme ça, et après, vous agencez ça dans l'ordre et dans le sens que vous voulez. Vous pouvez mettre 3 Liamada d'affilée, vous pouvez mettre 12 compas de rythmique d'affilée, jouer 3 fois la même falsetta, après vous passez, je ne sais pas, de la falsetta de l'épisode X à la falsetta de l'épisode Y, etc. Et vous faites un plan vous-même. Enfin voilà, je vous expliquerai ça dans une vidéo avec des exemples, etc. très très prochainement. Voilà, c'est tout. On reprend notre compas d'Alegría, c'est parti. 1, 2... Thank you.
Ok, c'est pas mal ça. Et du coup, après, un peu à l'instar de ce qu'on avait fait sur l'Allegria en mi, vous pouvez rester plus longtemps sur un accord. Par exemple, Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5, 6, Et voilà pour de quoi s'amuser un petit peu en compas d'Allegria en Do. Allez, ciao!